Je m'appelle Amandine Corny, je suis chercheure au CNRS, au laboratoire génétique quantitative et évolution, où je dirige une équipe qui travaille sur l'écologie et la génomique des interactions multi-espèces, et en particulier on s'intéresse au processus d'adaptation des arbres fruitiers à leur environnement. Éclectique, parce que c'est le nom de mon équipe. Fruit Rescue, c'est un projet collaboratif entre plusieurs équipes de recherche européennes qui vise à comprendre l'impact du climat sur plusieurs fruitiers emblématiques européens, donc les pommiers, les abricotiers, les pêchers, la vigne et l'olivier, et aussi de prédire leur vulnérabilité génomique aux futurs changements climatiques. Alors les trois grands défis auxquels vont faire face les arbres fruitiers sont le changement climatique, les attaques de parasites et aussi les activités humaines. Et en particulier, par exemple, on a vu qu'il y avait énormément d'hybridation des populations cultivées dans les vergers vers les populations sauvages. Et ça, c'est une menace majeure pour les populations sauvages de fruitiers. Les arbres fruitiers, pour s'adapter au changement climatique, ont peut-être dans leur génome des gènes, des allèles qui vont les aider justement à faire face aux futurs changements climatiques. On sait qu'il y a beaucoup d'espèces sauvages et aussi des espèces de fruitiers cultivés qui ont fait face aux changements climatiques passés. Et ces gènes, à la base de ces réponses, pourraient être utiles pour les programmes d'amélioration variétale. L'avantage de la fondation BNP, c'est qu'elle permet d'avoir un financement à large échelle qui ne serait pas facile à obtenir via d'autres sources de financement. À l'heure actuelle, j'aurais plutôt tendance à être pessimiste, mais je crois encore à des solutions pour une meilleure gestion des ressources génétiques, à la fois des populations cultivées et sauvages chez les arbres fruitiers, qui nous permettront justement de faire face aux futurs challenges qui incluent le changement climatique et l'émergence de nouveaux parasites. Ma conviction, c'est que les projets de recherche ne peuvent pas avancer sans collaboration. C'est le cœur de notre travail en tant que chercheur. De regarder si vous avez des fruitiers dans vos jardins, de regarder à quelle période ils fleurissent et à quelle période ils vont produire des fruits. Ça, c'est des informations qui vont nous aider à comprendre mieux l'impact du climat justement sur vos arbres dans vos jardins. Si j'ai un livre à conseiller, ça serait Darwin, l'origine des espèces.